Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Nous sommes censés aller par où? Par là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une moto pour descendre? Ah, ou une voiture? Ça peut être rigolo en voiture. Non. Non. Il veut pas que je coupe. Ah putain. La radio venait pas de la voiture en fait. Ah. Ah bah. Attendez. Attendez. C'est bon. Il m'a tape. Putain, merde. Tonneau. Si j'avais un tonneau. Oh putain. Oui, bien sûr. Quelle voiture est capable de faire ça? Oula. Quelle voiture est capable de faire ça et tout en gardant ses occupants en vie? Aïe. Oula. J'ai pété le radiateur au niveau du bruit là. Peut-être même pété deux fois le radiateur. Ok. On y va. Hop, c'est reparti. Ok. Je crois que je suis au bord d'une falaise. J'ai pas trop regardé, mais... Mais je crois que c'est le cas. J'ai repéré un autre ennemi. Bonjour, t'es vraiment aveugle toi par contre, hein. En même temps, porter des lunettes de soleil la nuit, c'est vraiment une idée à la con, quoi. Oh putain. Tu le vois pas, là? C'est bon. Là, cible numéro 5. Waouh. Ouvre. Les cieux. Ok, on peut respirer. Hop. Et forcément, il n'y a pas le moindre passage par là. Attendez, j'ai rien dit. Autant pour moi. Hop. Il a un silencieux, il a un silencieux. Il est pas dedans. Ping, 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 ping. Hop les. Photo, photo. J'ai le planning des cargaisons de coca en partance de la gare de marchandises de tabac. Voilà. Qui a envie de se saluer? Salut. Je peux me barrer. Ah, ah, ah. Ah, c'est franchir. Ah putain, j'ai encore quoi c'est à l'intérieur, ça que tu vas me dire. Ah non, c'est bon. Oh. Oh. Merci. Quoi? Quoi? Tu veux bien grimper là-dessus, s'il te plaît? Non, je ne veux pas. Je m'insurge, ce n'est pas mon genre. Voilà. Le mec, ça fait 45 fois qu'il passe, il fait le tour de la zone, mais qu'il trouve pas. Putain, la voilà. J'ai trouvé la sortie, c'est bon. Ok, wouh, c'est la fête ici, dis donc, ouais. Ouh. Ok, bon, maintenant on a... Ouh, d'accord. Détruire les stocks. Ok. On n'a pas une... Ah bah voilà. On va se téléporter ici. On va aller détruire les stocks. On va les détruire bien d'ailleurs, hein.
Je pense qu'on va envoyer la coup de grenade, voire de lance-grenade. Ça pourrait être sympa de voir si je peux pas le faire de loin. Ouh bah attendez, je crois que l'hélicoptère est armé. Ah non, j'ai cru. Bon bah tant pis. Oh sinon ça aurait été... Ok, moi je voudrais aller là. Par les fermiers du coin sont stockés à la gare de marchandises de Tabacal en attendant d'être livrés. En avant, marche. Détruisez-les et je pense qu'on aura attiré l'attention de la... Ah non, il veut plus me les afficher en fait. Putain, c'est con. Les feuilles de coca récoltées voilà. Par les fermiers du coin sont stockées à la gare de marchandises de Tabacal en attendant d'être livrées. Ok. Détruisez-les et je pense qu'on aura attiré l'attention de la Madre Coca. D'accord. C'est parti! Attention, on s'approche de la cible. Putain, on peut faire passer un paquet de matos par ces rails. À une époque, ça appartenait à Il n'y a pas café. Maintenant, c'est plus que de la coca et que de la coca. Il va falloir quadriller tout. Et que de la coca. Les stocks de coca. Concentrez-vous sur les entrepôts et sur le bâtiment principal. On crame tous les stocks. Bien reçu. C'est parti. Attention, la gare de marchandises est surveillée par des sicarios. Alors regardez, ça va être très rapide. Bah finalement pas tant que ça. Je peux pas péter la... Je peux pas péter la vitre ? Bon. On va tenter, c'est pas grave. Ok. Tu peux pas me voir. Je suis trop caché pour toi. On m'appelle Steak. Steak caché. Non, non, ils nous ont pas vus. Diversion. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. Reçu. J'envoie des renforts à tes coordonnées. Sniper à terre. Qu'est-ce que tu prends le putain de plan quoi ? Merde. Le sniper, je l'ai... Putain, mais... Comment ils ont pu me voir, quoi ? Ah putain, oui, lui. Allez, sors ta tête ! Putain. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, hein. Je suis pas dans le cercle ! Je suis même pas dans le cercle ! On voyait le cercle devant nous, c'est dégueulasse. Je m'insurge. Et puis bon, le mec il devrait faire les JO quoi. Oh. Voilà, merci. Non mais oh, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Ok. Lui aussi. C'est lancé de grenade. Voilà. Il est pas à l'extérieur le truc de coca quand même. Ah bah si. Oh non, enfin bon, rêve pas, hein, tu m'as pas vu, hein. Traqué, je veux bien, hein, mais... Allez. Frag lancé, comme une merde à couler rose. Ils sont éliminés, aucun stock à détruire.
Ok. Ça bouge pas. Ah putain, j'avais oublié cette histoire. C'est un gros. On dirait que l'Unidad est pas venu en balade. Attention au train. Désolé. J'avais oublié cette histoire comme quoi ils me voyaient tous. J'avais oublié. Ma faute. J'avais oublié cette histoire comme quoi ils me voyaient tous. Ah là 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 là. J'avais tout fait comme il faut et tout ça à cause de. Ah ! D'une mécanique de gameplay moisie. Ils t'ont vu une fois, ils te voient à travers les murs. Faut pas que je les refasse tous. Oh, tu te calmes, Johanna. Il y a des ennemis dans le coin. Je vois un sicario. Pas de ce mortier. Attention, la gare de marchandises est surveillée par des sicarios. J'en vois un autre. Non, moi j'en vois pas. Attention, on s'approche de la cible. Putain, on peut faire passer un paquet de matos par ces rails. À une époque, ça appartenait à Elia Pas Café. Maintenant, c'est plus que de la coca et que de la coca. Il va falloir quadriller toute la cour pour trouver les stocks de coca. Concentrez-vous sur les entrepôts et sur le bâtiment principal. On crame tous les stocks. Bien reçu. C'est parti. Qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ok. J'ai trouvé un stock de coca à côté d'un des entrepôts. Bras blanché. Le stock de coca détruit. On passe au suivant. Je peux pas le. Oh! Oh! Je peux pas. Fais chier. Ok. Deux sicarios sont visuels. Ils vont sortir juste à côté du conteneur. Non, attends, ils vont te repérer. Allez, viens. Il s'est pris des balles, mais il est pas encore sûr. Putain, mais le mec, quoi. Ah, la vache. Le mec de devant, là, il se prend 40 balles. J'en ai mis au moins 4 par 4, mais non. Le mec, il a 12 balles dans le corps, mais je survis parfaitement bien. Je vais juste créer un estomac en fer. Carrément. En fer et en plomb. Débile. Et moi, je me prends 3 balles, je suis mort, quoi. Allez. Boum. J'ai trouvé un stock de coca dans le bâtiment principal. Crac. Plus qu'un stock à détruire. Ah,
Voilà, bah je suis mort. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Je vais être au niveau du bâtiment. Tu m'auras pas. Personne dans le bâtiment. Bah voilà, victoire. Victoire, victoire. Débile. Débile, débile. Crac. Bras glancé, attention les yeux. Victoire! Madre Coca vont bouffer son dentier. Un sniper à terre! Elle est en train de se faire sniper. Je me suis fait sniper par autre chose. Donc. Oh, t'as du bol. S'il me loupe pas derrière. C'est écœurant. Voilà. Voilà. Et on est bon. Ça va être un peu juste pour balancer le parachute. Donc on redescend. Ok, je sais pas ce que c'est que ce truc là, mais c'est pas grave, c'est la sécurité enfant, Marcus. Ah, d'accord, ça ressemble à ça. Il y a un intel ici, je vais aller le chercher. Allez, grimpe. Oh. Oh. Mais non. Tu te fais des idées. Comment je grimpe? 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 En faisant trois fois le tour du bâtiment. Logique. Bah oui. C'est pas celui-là. Voilà. Ouh. Ok. Médaille bonus. C'est parti. On les a prises. Ok. Bon, ça c'est fait. Cette mission-là, elle est faite. Bah, il y en a une juste là. Visée rapide. Oui, oui. Bon, bah, écoute. Ça, ça m'intéresse pas des masses pour le moment. Ça, c'est loin de tout. Loin de tout. Tout loin de tout, loin de tout. Là, je pourrais aller chercher. Ok, bon, il y a une voiture. Je prendrais de préférence le train, mais je ne peux pas. Je gagnerais du temps en prenant le train. Ok. Ok. D'accord. Pas grave. Je suis occupé. Je m'occupe de la route. Voilà. On est sorti. Bon, c'est pas grave. J'ai écouté le texte sur les femmes là, mais. C'est pas grave. Ça doit être chaud à traduire, ça n'empêche, comme texte. Parce que ça doit évoquer tellement de sujets. Sniper. Putain, mais la tache de sang que ça lui sort, quoi, le mec. Ok, bon, on y va. On enchaîne, chers amis. Ah, j'aurais dû mettre un petit peu d'huile à barbe. Je sens que ma moustache part dans tous les sens, de toute façon. Je déploie le drone. Bonjour, l'ami. Pu. C'est carrément visuel, il a un PM près de l'entrée du camp. C'est pas celui-là que j'aurais aimé que tu me files.
Oh putain. Le pire endroit quoi. Allez. 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 Interrogez cette actrice avec Y normalement. Ok. Salut. T'aurais pas des infos. Hop, merci. Mais je veux bien te dire un truc. Oh, t'es gentil. Le coup du cartel est prêt à partir. Ça pourrait valoir le coup de le faire passer aux mains des rebelles. Yo copine. Allez foutre la merde pendant que je vais chercher le l'intel critique. Comment je grimpe? Putain. Oh nom de Dieu. Wow. Ah. Là, c'est bon. Même asset que tout à l'heure. Ok, on est bon. Crac. C'est la feuille de route d'un convoi qui prend la route de la mort. D'accord. Équipe de sécurité apparemment. Je vois un nom. Salazar. Serpentard. Ça se passe où? Ça se passe où? Je ne sais pas. Salazar, t'as des infos sur lui? Ah oui, Roré Salazar, le petit chéri à sa madre Coca. Répète ça. Grosso modo, Salazar avait 17 ans et il bossait dans les champs quand la madre Coca a pris le contrôle de Tabacal. Elle s'est entichée de lui dès le départ. Comme quoi, il lui rappelait son vrai fils, mort à peu près à l'âge de Roré. Elle lui a offert du boulot, mais son père a protesté. D'accord. Pour la peine, elle lui a passé une pile de pneus autour du cou avant d'y foutre le feu. Ok. Roré est à la fois son fils adoptif et son bras droit. Putain, c'est carrément glauque. Salazar est sûrement la seule personne au monde à qui la madre Coca fait vraiment confiance. Si on l'attrape, elle aura plus que ça en tête. On va voir ce qu'on peut faire. Ça se passe où? Ici? Le bras droit de la madre Coca est un gars du coin, un certain Salazar. Elle lui laisse tout gérer. On va voir comment elle réagit. Il me faut un véhicule. Il me faut un véhicule. Sauf que je pense que la capture se fera à bord d'un véhicule déjà de base. Ce qui, je l'admets, m'emmerde un peu. J'ai presque envie de prendre le camion, mais j'ai peur de pas pouvoir les rattraper. La camionnette, elle va être très très bien finalement. Hop, c'est parti. Bye bye! Ok. Bon, je les rattrape, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais clairement, il se déplace. Regardez un peu la hauteur. J'avais entendu parler de la route de la mort, mais la voir en vrai, c'est autre chose. Ouais, c'est ce qui s'appelle être au bord du gouffre. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un se vautre. Moi, même avec un flingue sur la tempe, je m'engage pas là-dessus. Ah, j'ai connu pire que là pour le moment, là, hein, mais bon. J'imagine que c'est un peu plus haut la route de la mort. Cassez-vous. Merci de t'être arrêté. Ok. Bonjour. Allez, tu montes. Crac. Et on repart. Ah bah c'est juste à côté. Et bah ça si, c'est, si le monde est pas bien fait. Cool. Ok. Extraction réussie, hein. Finalement, en fait, vous voyez, des fois, j'esquive les bagnoles, mais on peut rapidement en mettre une hors-jeu. Ouais, hors-piste, si tu préfères aussi. Hein. Si on la vire de la route, tout bêtement, si on lui fait un demi-tour. Donc, la prochaine fois, j'éviterai pas. J'irai taper directement dedans. Non, je veux pas conduire. Je veux le débarquer en poignée, voilà. Bonjour, t'as vraiment chié dans ton pantalon, toi, c'est pas possible, là, pour le coup, là. Oui? 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 Il m'a dit ouais! D'accord.
Y a plus personne aux commandes à Tabacal. La Madre Coca va devoir sortir de l'ombre, et là on la chope. Entonces, tu crois vraiment qu'elle fait confiance qu'à moi? Carajo. Elle a posté des hommes à elle parmi les fermiers. Ah, ça c'est une information intéressante. Tu vois, tu peux coopérer quand tu veux. Le mec il parle sans comprendre. Et la Madre Coca, t'es très près vivant si elle apprenait ça. Donne-nous des noms, Salazar, et on te promet que ça restera entre nous. Sinon... Appelez. Ok. Il va parler, la pipelette. Oh, le joli petit micro-ondes à gauche. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Et de deux, comme on dit... Une rouge! Une rouge! Oui! Je veux la moto. Moi aussi, je la veux. C'est où les autres Intel? Je vous suis, allez-y. Ils sont où les autres Intel? Ah merde! Je suis le seul à pas les voir ou... Bah merde! Ok, j'imagine qu'il faut que j'attende un petit peu. C'est ça, non? Bowman vient de nous envoyer des... Voilà. Apparemment, Salazar a fini par tout déballer. Cool. C'est une liste des taupes de la Santa Blanca qui travaille dans la coopérative agricole. Ok. Pas de dessin, on les bute. Ok. Ici. Salazar a nommé plusieurs cocaleros qui sont des espions à la solde de la... Putain, j'avais oublié que le... Si Chavez et compagnie veulent avoir une chance contre le cartel... Qu'ils avaient modifié la physique de la moto. Au dernier moment. L'arbre. Oh là, non, ça va. Ok. Et me voilà sur la route. Oui. Mon contact chez les rebelles de Tabacal vient de m'informer que la Madre Coca les a contactés. Ouh ! Elle pense que ce sont eux qui détiennent Salazar. Et pour le récupérer, elle est prête à organiser des négociations. Ouh ! Je crois qu'elle tient vraiment à Salazar. Le reste, on s'en fout. On a foutu la Madre Coca au pied du mur. Vous pouvez accompagner les rebelles au rendez-vous. Parlez-lui. Persuadez-la que si elle veut retrouver Salazar, il faut qu'elle joue notre jeu. Je t'envoie les coordonnées du rendez-vous. Les rebelles vont vous emmener au meeting. Je compte sur toi pour garder le contrôle de la situation, Nomad. On a besoin de la Madre Coca vivante. Ça veut dire que j'ai le choix. Je vais quand même abattre ses partisans au départ. Dès le départ. Je suis pas là pour faire dans la dentelle. Je vais lui montrer que même si elle accepte pas... Son cartel est... Enfin, son bordel est ruiné. Son business est ruiné. Je pense que c'est une bonne solution. Putain, elle est géniale, cette bécane. En plus, elle se conduit, mais alors... à la perfection. Hop. Regardez ça. Franchement. Que demande le peuple? Salut. Salut. Limite, je me sens mieux avec cette mécane qu'avec la lambeau du mec. Parce que franchement, quand on voit le petit chemin de terre de merde là qu'on se tape, en lambeau, c'est stupide. Hein. Vous savez que déjà, certaines routes avec un petit peu trop de gravillon en Lamborghini, ça ruine le bas de caisse en... Les bas de caisse en comment... En carbone, donc... Abattre les partisans. Ami, entends-tu? Bref. Le drone a décollé. Je vois une deuxième cible. Je vois une troisième cible. Avec lui, ça fait 5. Ah! Ah, en voilà 3.
cible abattue. Je répète, première cible abattue. On passe à la suivante. Deuxième cible, élimination confirmée. Plus qu'un dernier rat à abattre. C'était le dernier, on dégage. Les coquilles roses vont se charger. Pas vu, pas pris! Merde. Merde, ah mais y'en a un juste devant! J'avais pas capté que je lui courais dessus moi depuis le début. Ma bécane. Là. Je vais faire comme dans l'infanterie, je me tire ailleurs. Ok. Potentiellement ici en plus. Oui, oui. La vieille peau, elle est rapide. On peut peut-être arriver à la retourner contre El Sueño. Il va juste falloir se montrer persuasif. D'accord. Bon, bah, je m'en occupe, hein, on va le faire. Hein, on va essayer de se montrer persuasif. Je vais prendre par là. Alors, pour ceux qui disent que je devrais suivre le chemin, vous êtes rigolo, c'est un chemin qui doit être fait à pied à la base, j'imagine. Ou alors très très lentement à moto. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Je suis là pour avancer. Enfin, techniquement, je suis là pour m'occuper de El Sueño. Mais pour ça, il faut que je fasse de la moto. Voilà. Oh, bah non. Coince pas ta moto dans... Oh là. Parachute! 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 Eh merde. Il a pas voulu. J'ai plus ma moto. M'attendez pas à ce que ce soit genre falaise de l'autre côté en fait, c'est ça le truc, c'est... Je l'ai pas vu venir, je reconnais que là pour le coup... Bon. Voiture. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Qu'est-ce qu'on a à droite? Ouah, c'est pas top hein, ni l'un ni l'autre. Hein. Bonjour. Sors de là, vite. Me force pas à employer la manière forte. Avancez sans moi. Crac, c'est pas tip top hein. C'est pas la magie de Disney hein, c'est même très 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 moyen. Je vais même pas dans la bonne direction quoi. Dégage. Ok, c'est bon. C'est pas cette route là, c'est celle là. Ok, c'est bon. Ah bah, c'est exactement la route que j'ai prise tout à l'heure. Aïe, le poteau. Et c'est le poteau! Non! Hop. Crac, c'est mieux. Drifter avec une camionnette, pourquoi pas. Ok, on est bon. On est ressorti de la ville. Dégage, dégage. Ok, je prendrai bien sa moto. Je vous demande de vous arrêter, merci. Je suis désolé, je vais devoir prendre votre moto. Mais il me faut ta caisse. Sors. Moto. Et il sort pas de la moto normalement, il descend. Tristesse, 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 tristesse. Ok, bon c'est pas une grosse moto comme tout à l'heure hein, j'ai l'impression. Hein. Elle va beaucoup moins vite. Hein. Penche-toi en avant. Ouais, c'est pas une grosse moto. Alors, est-ce qu'aller à moto est une bonne idée? Bowman, on arrive au point de rendez-vous. Bien, les rebelles vous attendent, suivez-les. Ils vont vous conduire à la Madre Coca. Salut les filles. C'est vous les soldats Yankees? Non, 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 on est du pays, ça se voit. Je te suis, hein. La grise. Ou le 4x4, le 4x4 bleu. 4x4. Non, pas la moto. 4x4 bleu. Jeff, comment on gère le rendez-vous? C'est quoi la tactique? Je parlemente. Je lui expose les conditions pour voir comment elle réagit. Voilà. Les autres, vous restez en retrait. Allez, on y va. Ça ne plaît pas. Si elle nous tend un piège, tu vas te retrouver en solo. On t'atteindra jamais à temps. Putain, Holt, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Ah, boum! Souvent ta mère a des prises d'otages. Écoute, la Madre Coca n'a pas plus de raison que nous de faire confiance à l'autre. Si on s'amène tous ensemble comme des bourrins, on peut dire adieu au deal.
Alors on va se la jouer fine jusqu'à ce qu'on perde. Compris ? C'est toi qui vois, chef. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Mais justement, j'y compte bien. Ok. Allez, dépêche. Magne-toi. Ça y est. Il appuie sur le champignon. Oh putain. Allez, encore. 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 Allez, pousse. Et vous avez, j'y vais tout seul. N'hésitez pas, vous les butez tous. Si elle veut nous la faire à l'envers, elle a intérêt à pas nous rater la première fois parce qu'il n'y en aura pas une deuxième. Je l'ai entendu. Embuscade, feu à volonté. Ah merde. Quoi ? Voilà ! La Madre Coca est morte. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une embuscade. La Madre Coca n'avait pas la moindre intention de négocier. Elle cherchait des autres. Elle bastonne. Pour Salazar, elle a bien failli les avoir. Les moyens de pression, ça fonctionne dans les deux sens communs. Elle savait que tu pourrais pas t'empêcher de tenter le coup. Sa seule erreur a été de croire qu'on se laisserait faire en voyant le piège se refermer. Oui, c'est pas faux. Mais je trouve toujours que ça emballait l'appel. Si elle avait retourné sa veste, ça aurait tout changé. Je vous conseille de quitter le secteur. La mort de la Madre Coca va faire pas mal de remous. Reste à savoir ce qui va. Suivant. Bien reçu, Nomad, terminé. Suivant. Vidéo disponible. Cool. Je t'écoute. J'avais dit à Liayo et la Gringa de mettre le paquet sur la production. Ils juraient qu'ils faisaient de leur mieux. Visiblement, je m'étais mal fait comprendre. Ouh! Apparemment, il a tué quelqu'un. Vous teniez la vie de cet homme entre vos mains, et voilà le résultat. D'accord. C'est trop pour moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je jure devant Dieu que je dirai rien à personne. Parfois, je me demande si tu sais qui je suis. La prochaine fois, tu verras de quoi je parle. Ouh. Il commence à s'énerver. Bon, bah, cette région-là. Écoutez, on s'en est bien occupé. Est-ce qu'il reste une région de niveau 3 à Pukara ? Malka ? Aha ! Aha ! On va là. Crac. Ah, je suis encore en combat, effectivement. Oui, j'avais oublié ce détail. Enfin, si on peut appeler ça un combat, je trouve que c'est plutôt à sens unique, à vrai dire, hein, c'est... Pour la blague. Allez. Fouette. J'ai la Madre Coca en visuel, en piste. Quoi ? C'est bon, on y va. Débile ? Il est absolument débile ! J'ai la Madre Coca en visuel, oui, j'ai le cadavre de la Madre Coca en visuel, si tu veux, oui, pourquoi pas. Désolé. Boum. Beau travail à Tabacal. En éliminant la Madre Coca et son lieutenant, vous avez semé le chaos dans son organisation. Les Coca-Leros sont maintenant le champ libre pour déclarer leur indépendance. Tu crois qu'ils vont se révolter ? Ils commencent déjà. Cool. Les partisans de la Madre Coca auraient pu éviter que ça dégénère, mais vous leur avez réglé leur compte. La Santa Blanca vient de perdre son principal fournisseur de coca et tout son stock actuel. Sa production va se retrouver au point mort. Oui, Bowman. Merci pour la bonne nouvelle. On passe au secteur suivant. Terminé. C'est parti. Secteur suivant. Ah mais non, mais je suis plus en combat. Moi, c'est bon, on se calme. Oh. Ça fait une demi-heure qu'ils m'ont disparu, mais non, continuez à se battre. Ne rengainez pas vos armes, ils pourraient revenir. Même s'ils ont fait 1000 km, ils pourraient arriver d'un instant à l'autre. Sait-on jamais, ça peut arriver.
Ok, donc à 40 minutes, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et on commence la nouvelle région dans la prochaine vidéo. Salut!